Nous commençons donc avec le mouvement de serrer et emporter le tigre dans la montagne, que je remontre ici une fois. Dans ce mouvement, comme son nom l'indique, donc nous serrons autant dans la partie basse du corps que dans la partie haute à ce moment-là. Donc, pour une première application, vous pouvez travailler dans cette idée. C'est que votre partenaire ici va venir attaquer au bas-ventre, puisque nous sommes en position anatomique ici, naturelle. Nous avons un espace au niveau des jambes, donc il vient frapper ici un coup de pied direct au parti. Et le réflexe étant de protéger de suite avec la fermeture du pied sur son action de jambes. Donc je ferme ici et dans la foulée, son réflexe serait d'envoyer un coup de poing circulaire au visage, ce qui m'amène ici à intercepter en bas et en haut avec le double paré. Troisième réflexe de sa part, tentative de saisie de la main droite, que je vais venir immobiliser ici avec ma main droite pour créer une clé au niveau du coude qui correspond au mouvement de serrer en haut avant d'emporter dans la montagne. Voilà un premier exemple d'application, donc, que nous remontrons une fois ici. 1, 2, 3, 4. Et vous retrouvez bien la posture finale de brosser le genou. Une deuxième possibilité pour cette action de serrer, emporter le tigre consiste à demander donc une attaque de coup de pied jambe arrière, comme précédemment, mais plutôt traversante, ici. Et vous notez donc que l'idée, c'est bien de sortir de l'axe grâce à ce mouvement de serrer au niveau du bas du corps. Contrairement au premier coup de pied qui lui était remontant au bas-ventre, celui-ci est perforant, traversant. Et dans le même temps, mon partenaire envoie aussi un crochet du gauche dans lequel je rentre pour me retrouver finalement en position de projection à l'intérieur. Il sera facile ici de projeter de la même manière que tout à l'heure, que le mouvement précédent. Donc, avec esquive intérieure, et on rentre. Une troisième formule, un petit peu plus délicate ici, nous sommes plus près, quasiment corps à corps, et mon partenaire déclenche un coup de pied au bas-ventre de nouveau. À partir de là, je vais agir avec mon genou au moment de faire le serré pour déstructurer un petit peu sa position. Donc, 1, et dans le même temps, je contrôle ce bras-là pour ensuite rentrer sur la jambe arrière en projection. Et je retrouve exactement la même posture. Donc, voilà, et vous retrouvez votre brossée de genoux.